Boxe thaï, c'est un sport qui, en premier, n'est pas vraiment un sport, je pense. C'est plus un art de vivre. Parce que dans la boxe thaï, souvent, on pense qu'il suffit seulement de donner des coups et de savoir taper. Alors que je pense qu'en premier, un boxeur, ce qu'il doit être, c'est vraiment intelligent. C'est-à-dire d'avoir le coup d'œil, de savoir comment utiliser ses coups avant de savoir les taper avec la force. Après, la boxe thaï, c'est... c'est aussi savoir respecter son adversaire, même si on échange des coups pendant un combat. On sait très bien que, au final, quand on va ressortir, on va boire un verre. On va vraiment le ring, c'est les gens ils voient ça comme comme quelque chose de violent. Certes, c'est vrai qu'on voit souvent des choses violentes, mais après je pense qu'il faut vraiment un coup dur. Il faut vraiment que on apprenne à savoir se remettre en place et pour vraiment garder les pieds sur terre. Je pense que c'est une chance de pouvoir boxer. C'est pas seulement réservé aux gens violents. C'est avant tout une passion à faire partager et un sport rempli de valeurs. C'est de là d'où vient le sport. C'est son pays natal. En Thaïlande, il y a parmi les meilleurs entraîneurs du monde. Donc, on est obligé de passer par la Thaïlande si on veut persévérer. Et moi qui compte faire plus tard une carrière peut-être professionnelle, je pense qu'on est obligé de passer par la Thaïlande pour vraiment. Même si quelqu'un est super fort, il lui manquera toujours des petits trucs à corriger. Et en Thaïlande, ils sont vraiment très pointilleux sur les petits détails.